Alors voici Jim l'éveilleur, l'autoproclamé alerteur qui a une nouvelle fois raté l'occasion de se taire. Alors je vous explique, il était interpellé à juste titre par des internautes sur une vidéo où on voit le Dalaï Lama en train d'avoir un comportement plus qu'inapproprié avec un garçon indien de 8 ans. Et Jim l'éveilleur va dédouaner de façon assez étrange le chef spirituel tibétain. Alors il faut savoir que Jim l'éveilleur se réclame ou bien faisait l'apologie d'un certain Dzhwal Khul. Donc il est un peu dans cette mouvance New Age, hein, on dirait. Donc écoutez, c'est assez pathétique. J'ai pas vu le début du live. Est-ce que vous avez parlé de l'histoire du Dalaï Lama? Ah oui, oh là là. Vous avez été lourd, mais lourd avec ça. Vous m'avez posté au moins 35 fois sur le canal où vous avez le droit de poster sur mon canal officiel. Vous avez posté au moins 35 fois cette vidéo où on voit le Dalaï Lama sortir sa langue et l'enfant touche la langue. Mais écoutez, mes amis, c'est pas de la pédophilie au Tibet pour la simple et bonne raison qu'au Tibet, sortir sa langue, c'est pour dire bonjour. Voilà. Alors tu vas me dire, non, mais là, elle tire la langue. Non, 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 non. Sortir sa langue chez les Tibétains, c'est une façon de dire bonjour. Voilà le vieux le film avec Brad Pitt. D'ailleurs, sur le Dalaï Lama. Alors en passant, c'est le même argument utilisé par Yann Barthès de Quotidien. Hein. Donc c'est dire, je vous mettrai le lien en description. Et donc Jim l'éveilleur bah, dédouane un peu facilement en disant qu'il lui tirait simplement la langue. Mais nous, on va voir l'extrait en entier. Et vous allez voir que c'est très différent de ce que nous raconte l'éveilleur. Voilà, nous sommes près de Dharamsala en Inde, à la fin du mois de février, et un petit garçon interrompt le discours du Dalai Lama et va lui demander s'il peut lui faire un câlin. Il dit ok, bien. Bon, d'abord, il dit d'abord ici, bon, sur la joue. Et lui demande de l'embrasser aussi ici sur la bouche. Donc, et il le fait. Et il rigole. Il lui demande de sucer sa langue. Donc Jim l'éveilleur devrait apprendre un peu l'anglais parce que il raconte n'importe quoi. Il n'a même pas pris la peine d'écouter l'extrait. Donc c'est assez accablant et puis bah on va voir Jim l'éveilleur s'enfoncer un peu plus pour rigoler. Film de Jean-Jacques Hano, si ma mémoire est bonne. Là, ils arrivent, ouais, les gens disent bonjour. Est-ce que les Tibétains sortent la langue pour dire bonjour? Voilà. C'est une façon pour eux de conjurer les mauvaises énergies, le mauvais sort. Voilà, il faut tirer la langue, sinon c'est que potentiellement t'es un mauvais esprit. Alors tu vas me dire, mais quel rapport avec le Dalaï Lama? Mais c'est traditionnel chez eux de tirer la langue. Alors tu vas me dire, non, mais pas avec les gosses. Mais si aussi. Elle a bon dos, la tradition, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Est-ce que si vous voyez de la pédophilie partout, les mecs, mais attendez, il faut aussi un petit peu étudier aussi les traditions des autres pays. Voilà. Donc, il y a des lamas qui soignent avec la langue. Voilà. Oula. Voilà. Renseignez-vous, hein. Eh ben oui, on a le droit de trouver ce comportement déviant, ne t'en déplaise, Jim.